Mesdames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons un grand merci de votre partie. Merci de nous avoir suivis au diaspora, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 24 janvier 2024 avec Monsieur Georges. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur David, bonjour tout le monde, bonjour nos internautes, nos téléspectateurs. Et surtout les Congolais de la diaspora comme du pays, nous vous saluons cet après-midi. Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est une journée spéciale pour les sportifs congolais. Rendez-vous à 21h, 22h pour les gens de l'Est, 21h pour les gens de l'Ouest. Rendez-vous aux télévisions, rendez-vous devant nos écrans. Nous allons vivre un phénomène qui va nous déstresser aujourd'hui. Je rappelle que M. Georges, c'est un analyste indépendant et citoyen congolais comme d'habitude. M. Georges, avant de vouloir commencer cette émission, dis-nous de votre parti, est-ce que vous allez bien? En fait, nous allons très 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 bien. Nous allons bien, encore bien. La poursuite des affrontements dans les Masisi. Aujourd'hui, c'est le début des affrontements dans les Mouesso. Qu'est-ce qu'on peut noter? Les Wazalendo contre les M23 qui se bat depuis 7h30 de ce 24 janvier 2024, Monsieur Georges. En fait, nous qui sommes ici à l'Est, nous sommes dans une région où il y a la guerre. Nous sommes dans un milieu où la guerre se trouve à quelques kilomètres du lieu où nous sommes, qu'on appelle ville de Goma. Alors quand il y a affrontement pour nous, ça n'étonne même pas. C'est quelque chose de l'habitude. C'est quelque chose qui est habituel. Mais une chose que je peux seulement signaler est que les FARDC, le président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, il a juré de faire la guerre, la vraie guerre maintenant. La guerre est déjà là. La guerre est déjà là. La guerre, elle est là. Pourquoi j'ai dit la guerre est là? Les semaines passées, on faisait la guerre deux jours en stop, trois jours en stop. Mais aujourd'hui, la guerre... Les affrontements ont commencé à partir d'avant-hier, à partir de dimanche. Jusqu'aujourd'hui, il y a la guerre. Et maintenant, les FARDC jurent une chose. Chasser les M23 jusque de là où ils sont venus. Ils doivent quitter notre sol. Les gens de Kichanga, les gens de Mueso, bon, souffrez d'abord. Protégez-vous dans vos maisons, mais d'ici là, vous serez déjà libérés de cet ennemi-là qu'on appelle M23 Rwanda. Laissez les FARDC faire leur travail, chasser l'ennemi. Mais comme c'est la guerre, cachez-vous bien dans vos maisons, sous vos lits, sous vos matelas. Mais c'est la guerre et vous devez d'abord comprendre. Ce n'est pas une guerre qui vient vous exterminer, mais une guerre qui vient vous libérer. Je sais très bien que certains d'entre vous vont me suivre, mais je vous dis d'abord, Paul et Sandra, Paul, mais c'est pour la libération.
Ce n'est pas pour venir vous amener la mort. C'est pour vous libérer de cet ennemi-là qui vous a, pendant une année, il vous a dominé là-bas. Bientôt, vous serez libérés. Les Wazalendo, état des patriotes, disponibles pour la défense de la nation. Qui avait fait appel à ces Wazalendo pour qu'ils viennent réaliser cette Qui avait fait appel aux Wazalendo? D'abord, les Wazalendo, ils existent depuis longtemps. Tshisekedi arrive au pouvoir quand les Wazalendo existaient déjà. Les Wazalendo sont là. Est-ce que vous savez pourquoi les Wazalendo sont nés? Les Wazalendo sont nés, je peux d'ailleurs vous dire, peut-être certains d'entre nous ne connaissent même pas ce que signifie Wazalendo. Les premiers Wazalendo avaient commencé en 1964 avec Pierre Mulele. Parce que Mulele revendiquait la mort de Lumumba, notre héros national. Et c'est là qu'on a commencé les premiers Wazalendo qu'on appelait Mulele Mai. Alors, cet esprit est encore revenu, renaître dernièrement, car nous avons connu la guerre, les guerres d'invasion rwandaise, AFDL, RCD, CNDP et autres. Maintenant, à l'Est, les Wazalendo vont encore renaître. Et maintenant, pourquoi maintenant les Wazalendo aujourd'hui ont déjà une forme que j'appellerais une forme formelle, c'est-à-dire une attitude formelle? C'est comme si ils ne sont plus appelés des forces négatives, mais plutôt une force de réserve. Cela, c'est sous l'impulsion de qui? De monsieur le numéro 1 de la République, qu'on appelle Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui lui a trouvé important et nécessaire de réunir toutes ses forces et les orienter vers un même objectif que nous appelons récupérer, bouter dehors de l'ennemi qui nous a longtemps dérangé. C'est ainsi que en 2022, ce que tu vas dire, tous les Wazalendo, vous qui vivez dans vos villages pour vouloir protéger vos terres, mais cette fois-là, notre terre est envahie par les M23. Venez, mes chers, nous devons maintenant combattre ensemble pour bouter dehors l'ennemi. Voilà comment les Wazalendo ont été appelés. Et d'ailleurs, Tshisekedi est allé même très loin. Il est arrivé même à signer une loi. Dernièrement, il a signé une loi. Il a promulgué une loi. Cette loi qu'on appelle la loi sur la réserve de la défense. Et aujourd'hui, maintenant, les Wazalendo et d'autres qui voudraient aussi combattre ensemble avec les Wazalendo pour protéger la patrie. Cette loi, elle est déjà prête. Et c'est autour de cette loi que les Wazalendo commencent maintenant à exercer d'une manière formelle leurs activités. Et moi, j'ai dit, alors, pour le moment, le premier Wazalendo s'appelle Tshisekedi. Les observants, les Wazalendo, ils sont tellement déterminés, ils ont une motivation, on ne sait pas comment on peut qualifier, une motivation très extrême. Cela est dit à quoi, cette détermination et cette motivation? En fait, les Wazalendo est plus engagé dans la guerre à cause de cette velléité rwandaise. Vous savez, quand vous provoquez quelqu'un, il arrive des fois que vous arrivez à l'énerver. Et quand il est énervé, quand il s'énerve, il prend même le risque de tout donner. Donc il se donne corps et âme. Et c'est ça la motivation. Donc le Rwanda, plusieurs fois, on les a demandé de faire quoi? De se retirer, d'aller dans les cantonnements. Mais au lieu de se retirer maintenant, ils ne faisaient que provoquer les Wazalendo. Aller même vers la violation des violations. Alors, cela a amené à ce que les Wazalendo soient plus déterminés. Mais aussi, le gouvernement a déjà mis fin au cessez-le-feu. C'est pour autant aussi oublier que la SADC, je l'ai appris hier, que la SADC a commencé aussi déjà à s'orienter vers les lignes de front. Donc,
le Rwanda doit subir et le Rwanda va finir. Aujourd'hui, nous avons appris qu'à Rutshuru, ils ont commencé même à voler, ils ont commencé même à piller, même les véhicules des gens de Rutshuru. Il suffit que vous ayez une voiture, l'M23 va la prendre et fuir avec, pour dire que leur fin est déjà à la porte. Les M23 étaient à Kichanga, les M23 entendus à Mushaki, les M23 aujourd'hui sont entendus dans les Mueso. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de se disperser pour distraire le jeu des FARDC? Non, en fait, c'est quoi? Il y a déjà plusieurs fronts sur les lignes de front. C'est une nouvelle stratégie des FARDC. C'est pour fatiguer l'ennemi. Et bientôt, là, il va fuir. Il ne va plus résister. À la fin de cette semaine, je sais très bien que l'ennemi va fuir. Kichanga va fuir, Mueso, Kilolirou est de partout là-bas. Même Bouiza, il va fuir à la fin de cette semaine. Parce qu'au moins, on a activé toutes les machines. Pourquoi est-ce que le FARDC met en avant les Ouazalendo et non et s'il le respecte? Il n'y a plus. Sur la ligne de front, il n'y a pas la guerre pour les Ouazalendo, il n'y a pas la guerre pour les FARDC. L'ennemi est seul et unique. L'ennemi, il n'y a pas l'ennemi pour les Ouazalendo, l'ennemi pour les FARDC. L'ennemi est unique. Et quand il y a affrontement, on se réunit. Donc, on s'unisse pour le front. Pas dire que c'est bon, les Ouazalendo qui passent devant et puis après nous. Non, non, ce n'est pas comme ça. Et si les lignes de front, vous savez si la ligne de front, nous ne sommes pas militaires, mais les militaires savent comment placer les lieutenants devant les canons. Quand on est devant un canon, on tire selon les consignes. Et il y a dans toute guerre, il y a ce qu'on appelle, c'est là qu'on appelle l'ingénieur de guerre. Il reste à lui de placer les gens selon ses études de fait, selon ses capacités, selon ses stratégies. Alors nous ne saurons même pas dire « Ah, j'ai vu d'abord les Ouazalendo devant les FARDC », ce n'est pas comme ça. C'est selon quoi? C'est selon l'ingénieur qui est en train de réaliser son plan de guerre. Monsieur Georges, depuis plus de 2 ans, les rebelles du M23 se trouvent sur les sols congolais. Est-ce qu'on peut noter que les rebelles du M23 possèdent plus de stratégies que les FARDC? Pas du tout, pas du tout. Si par exemple, nous parlons de plus de 2 ans. Nous avons été dans le cessez-le-feu, vouloir amener à ce que les M23 puissent se retirer. Mais une chose qu'ils n'ont pas respectée. Aujourd'hui, les Ouazalendo, disons les M23, doivent maintenant subir la rigueur de la défense. C'est ça, mais dire que non, ils sont là, ils sont plus stratèges. Stratégie à quoi? Est-ce qu'on peut. Dis-moi, journaliste David, si vous trouvez du temps, essayez même d'interroger par exemple les Willy Ngoma, combien de morts ils ont déjà réalisé dans leur camp? Combien de morts ils ont déjà enterré dans leur camp pendant ces 2 ans? Il vous dit presque. La moitié de l'armée rwandaise est déjà abattue sur les sols. Comment est-ce que l'armée rwandaise est intégrée au sein du rébellion du M23? Comment cela? Est-ce que c'est encore moi qui l'ai dit? Même les Nations Unies l'ont dit. Même Bintou Keïta l'a dit. Même les États-Unis l'ont dit. Même la France l'a dit. Ce n'est pas Georges qui l'a dit aujourd'hui. C'est le Rwanda qui fait la guerre à Rutshuru, non? Ou alors David, peut-être tu es dans un autre monde. Tu es loin peut-être de ce pays. Monsieur Georges, on est toujours sur la question du M23 dans les territoires de Rutshuru, ces tirs-là. La rébellion du M23 a procédé à la nomination de l'administrateur du territoire ainsi que certains chefs de cité. La rébellion du M23 commence à s'imposer sur les sols congolais. Le gouvernement congolais. Et c'est lui qu'on a nommé. Monsieur Georges, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais était capable? Ça, c'est du n'importe quoi. Et celui qui était là auparavant, celui qu'on avait nommé auparavant, où est-ce qu'il est parti? Ils l'ont tué pour ramener un autre. N'est-ce pas qu'ils avaient déjà nommé des chefs de cité bien avant? Et aujourd'hui, ce sont d'autres chefs. Ah, ça, c'est du n'importe quoi.
qui peut aussi même diriger une portion de terre comme ça, et là où il n'y a même pas de... Ça, c'est 0-0-0, c'est non-événement. C'est un non-événement. D'ailleurs, je ne peux même pas commenter ça. Allons à une autre question. Ni la diplomatie, ni la guerre. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement central a échoué de le faire? Je pense que il faut... C'est comme si vous êtes en train de minimiser le travail du gouvernement. Non. Ça, c'est suite au M23 qui n'arrive pas à être... Qu'est-ce qu'il y a? Vous-même avez été à l'endroit où on a accueilli la SADC ici. Vous avez relayé ces événements. Est-ce que là où il n'y a pas de diplomatie, on peut réellement faire venir une force comme la SADC aujourd'hui? Est-ce que là où il n'y a pas de diplomatie agissante, on peut avoir des matériels comme nous l'avons aujourd'hui, matériel de guerre? Aujourd'hui, nous avons des matériels les du jamais vu au Congo. Depuis que vous êtes né, messieurs les journalistes, aviez-vous déjà entendu parler d'un drone? Drone bombardier. Est-ce que aviez-vous déjà vu un jour un avion de guerre d'attaque qu'on appelle Sokoï? Qui possède aujourd'hui les FARDC. Les FARDC. C'est-à-dire, la diplomatie est au plafond. Il est réellement trop avancé. Elle est vraiment trop avancée. Aujourd'hui, maintenant, on parle de matériel de guerre, même les grandes puissances. Je sais pas si vous avez suivi un jour l'analyse de M. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines de l'époque. Lui disait que Tshisekedi a armé ces éléments plus que même un chef militaire. C'est parce qu'il y a, ce qu'on appelle une diplomatie la plus agissante. Dernièrement, nous avons été dans une période que nous avons appelée période d'embargo. Mais à cause de la diplomatie agissante, l'embargo a été levé. Et aujourd'hui, nous commençons maintenant à acquérir des matériels les plus sophistiqués des dernières générations. C'est à cause de la bonne diplomatie. Mais Kabila qui a dirigé ce pays, il a fait 18 ans sous l'embargo. Monsieur Georges, on est toujours dans les territoires de Rutshuru. Il y a des rumeurs, des informations qui circulent comme quoi les M23 ont pu bombarder un drone des FARDC CH4. Ça, est-ce que c'est réel? Les M23 peuvent bombarder un drone de FARDC comment? L'M23 n'a pas de matériel. Dans quel village on a ramassé les débris de la drone? Dans quel village? C'est dit n'importe quoi. Ce sont des informations des réseaux sociaux. N'importe quoi, vous fiez aux réseaux sociaux, mon frère. Ça, sont des informations de la rue qui n'ont aucune source. L'M23, d'abord, il saura comment voir les drones. Zéro! Nous avons une seule information. Un drone de la MONUSCO avait connu panne et avait tombé vers Kavignong, très loin là-bas, dans le territoire de Beni. Ce n'est pas à Rutshuru. Alors, ces informations, pareil, bon, moi je ne les commente pas, parce qu'on les appelle des fake news. Dans les Kibumba, territoire de Nyiragongo, les Ouazalendo qui se battent avec les rebelles du M23, est-ce qu'on peut dire que les Ouazalendo sont devenus émirs pour le M23, afin de franchir la En fait, les Ouazalendo, j'ai beaucoup commandé les Ouazalendo. Les Ouazalendo sont là, ils sont parsemés, nous avons fait plusieurs fronts à la fois. Parce que si vous observez bien, pardon, monsieur Georges, dans d'autres pays, les systèmes Ouazalendo ne sont vraiment pas connus et ne sont vraiment pas à la hauteur comme celle. Comme c'est de la RDC, les Ouazalendo, est-ce qu'on peut les dire qu'ils sont devenus des milliers? Non, en fait, non, là vous allez très loin. Dans la guerre de l'Israël contre la Palestine, ce sont les réservistes qui sont en train de faire la guerre. Et les réservistes, d'ailleurs, chez nous, nous les appelons les Ouazalendo. D'ailleurs, les États-Unis plus de 300 000 éléments Ouazalendo, donc disons réservistes aux États-Unis. Quand il y a guerre, quand la République est menacée,
n'importe laquelle, on recourt toujours aux forces de réserve, bien que les forces loyalistes existent. C'est comme ça. Et nous avons les Wazalendo. Chez nous, nous avons les Wazalendo. Et comme nous sommes en guerre, nous devons que seulement aussi les équiper et les amener vers les lignes de feu. Parce qu'ils ne vont pas faire quand même la guerre avec des lances, avec des machettes. Il faut qu'ils aient des effets de guerre pour faire la guerre. Et disons, libérer les portions de terre déjà occupées par l'ennemi. Les Wazalendo sont déterminés, mon frère. Laissez-les faire leur travail. Un message pour les Wazalendo, les phares de Sialo. Pour finir. D'abord, vous les Wazalendo, nous vous remercions beaucoup de ce travail. Chaque jour, nous vous laissons toujours le message de remerciement. Moi, je dis encore merci. Merci beaucoup pour ce travail. Merci mes frères Wazalendo. Merci mes grands frères, mes yaya, mes experts de FARDC. C'est très bien que vous êtes à un grand nombre. Il y en a qui sont des forces spéciales. Il y a ceux qui sont de la garde républicaine. Il y a ceux qui sont de l'infanterie. Et plusieurs forces qui se trouvent sur les lignes de front. Nous vous disons merci et courage. Nous sommes toujours derrière vous. Pour clore, nous allons encore rappeler ce message. Congo Live Télévision a besoin quand même de vos soutiens pour soutenir la chaîne ici à l'Est et surtout pour soutenir la chaîne à l'Est et surtout nous amener à ce que nous arrivions à améliorer la qualité de ce travail. Nous vous demandons de faire une contribution pour celui-là qui sera animé de bon esprit. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une corvée, moins encore un impôt, mais c'est pour solliciter votre bienveillance. Pour celui-là qui pourra peut-être nous venir en aide, le numéro est là, +243 80 83 06 802. Je vais répéter, +243 80 83 06 802. Pour celui-là qui se sentira intéressé, le numéro est là pour toute opération qu'on peut réaliser ou peut-être une transaction qu'on peut réaliser à travers ce numéro sera le bienvenu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission avec Monsieur Georges, notre invité du jour sur Congo Live TV. Merci beaucoup, Monsieur Georges, et passez une excellente journée. C'est moi qui vous remercie.